Et bonjour à toutes et tous, voilà, c'est le deuxième épisode de Resident Evil 7. Un épisode qui ne va pas manquer d'être mouvementé, on va dire, comme le premier. Après, j'avance à ma cadence, puisque n'importe comment, je suis pas terrible dans les jeux. Alors, souvenons-nous de ce qui s'était passé précédemment. Précédemment, on a récupéré une partie de buste d'un truc, et on va aller le mettre à un emplacement pour pouvoir accéder à une autre partie de l'endroit. Donc oui, j'ai changé légèrement la modification des touches. Maintenant, je peux courir plus facilement tout en... Voilà. En pouvant regarder... Tac, on va mettre ça là. On va utiliser ça ici. Ok. Et là, maintenant, on pousse. Et on a accès au hall. Alors... Première des choses, le couteau. On va sélectionner le couteau. On a 3. Ça, on récupère. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. De la poudre. Ok. Ce tiroir, est-ce qu'il y a quelque chose? Une petite pièce antique à collectionner. Ok. Ça marche. Il est où ce putain de téléphone? Ah, c'est bien avec le... Allez, à l'écoute au casque, j'ai pu me diriger vers la sonnerie. C'est ton père? Il l'a été. Je suis désolé, mais... il est mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, mais tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. Donc le mystère reste, il faut que je sorte d'ici, démerde-toi. Là, ben ouais, il me faut une partie de machin. Il me faut 3 têtes. 3 têtes de chien. 3 têtes de chien, d'accord, ok. Ah. Inventaire, commencer là-dedans. C'est le bordel. C'est de poudre qui fait qu'on a plus de balles. Ça, ouais, ça, je vais peut-être y... J'y poserai. Y a rien de... Il n'y a rien de vraiment important, là, apparemment. Alors. Là, je suis arrivé ici. Tire-moi dessus. Oui, non, mais je t'ai déjà tiré dessus. On va revenir ici. La tête, je crois que je l'avais. Ah, c'est quand même plus pratique pour se déplacer. J'ai changé le... les endroits. On va retourner à la safe room tant que je suis ici pour aller déposer. On va déposer l'herbe, on va en avoir besoin. Ça, on y dégage. Déposer. Ok. On a une vie, on a... tac 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 tac. Comment, oui, il faut un autre truc pour le mélanger, pour faire encore une autre potion. Là, j'avais rien de plus, je crois. Rien ouvert de plus. Il y avait des endroits où il y avait des caisses que je pouvais prendre. Il n'y a rien de plus. Là, il n'y a rien de plus à n'importe comment. Je
Je regarde bien partout parce que... Ça, je peux pas y accéder. Là, oui, c'est une trappe. C'est la trappe par laquelle je peux remonter. Si je tire une balle... Là, je retourne là. Ok. Parce que c'est bizarre que... C'est quand même bizarre que on puisse pas y accéder. Et je sais pas si on va y accéder après par la suite. Parce que là... Je sais pas si j'aurai accès à l'objet. Ça me fait chier de laisser des trucs en route, mais là je sais même pas si je pourrais, je sais pas si je tire avec une balle, je vais péter la caisse, mais je sais pas si je peux atteindre l'objet, j'en sais rien, j'en sais strictement rien. Ouais, je suis pas une balle près, j'en ai 15. Est-ce que je suis rechargé? Oui, à fond. Une balle dans le vide. Allez, c'est pas grave. Au moins, j'aurais tenté. J'étais parti où déjà? J'en sais plus rien. J'avais rien. J'avais rien du tout là. Là, dans le hall. L'autre il est. L'autre il est partout, hein, cet abruti là. Là, il faut passer un objet. Ok. Les chasseurs des cieux. Là, on voit un truc d'aigle. Donc là, il y a une pièce à récupérer pour remettre en truc là. Ah. Voilà. Je garde au cas où il faille me soigner. Bon, là, on voit, il y a un fusil à pompe. Mais si je le prends... Je déverrouille le mécanisme. Il n'y a pas de balle. Bon. Donc on le remet. Il va falloir trouver un truc pour le remplacer. Donc, on a dit. Bien envie de garder les plans pour l'inventaire. Retour à la safe room. Ah, mais je vais en faire des voyages. Je crois que je vais en faire des voyages. La vie, je sais pas où c'est que je vais la mettre. Hein.
pourrais la mettre là. Ouais, est-ce qu'il me libère une place dans l'inventaire? Ouais, mais... Non. Je la mets en bas. Parce que là, je sais que j'ai... couteau. Tac. Ok. Bon. Oui, parce que... la vie... C'est 16h28, on va écraser la dernière. Bon, après, en théorie, normalement, faut sauvegarder le moins possible. Mais bon, vu que je suis pas bon, je préfère sauvegarder et... Ça va, je commence maintenant un petit peu à me familiariser avec les lieux. Donc là, j'avais pas regardé tout autour de la table. Passons aux choses sérieuses. Est-ce que, au point de vie, ça va? J'ai pas besoin de me soigner tout de suite. Une porte avec un scorpion. Ok. D'accord. Bon, et ben on va faire un tour en haut. Hein. Je crois que ça. Oh putain, la grand-mère. The Mami. Il veut pas que je la vise, il veut pas que je bute la vieille. Ouais. Donc, vous voyez ce que ça veut dire, hein, le père Baker, football américain, il a la tête dure, c'est pas un mec qu'on va fracasser comme ça. Ah. On va aller là-bas. Munitions, ça c'est bon. Ok, là je peux rien faire. Ok. Est-ce que ça fait tout le tour du bordel, le truc? On va visiter déjà tous les endroits qu'on n'a pas vus. Fluide chimique. Ok. Il y a des moments où je parle beaucoup, moi. Il n'y a rien à prendre. Salle de bain. Bien sûr, il n'y a rien. Des munitions, ok. D'accord. Je crois qu'on peut en avoir jusqu'à 60 des munitions. Moi, il me faudra bien ça au moins. Statue est en bois. Ah. On a pris ça dans l'inventaire. Statue est en bois. Ok. Ok. Il n'y a rien d'autre là, ici. J'écoute bien toutes les bruits parce que ça se trouve, c'est quoi ça, une crasse indescriptible, parce que il se peut qu'il y ait des petits bonhommes là à casser, à fracasser. Oh putain, oh putain. Ma petite fille nous a donné un don. Et ce don est avec moi en plus. Ouais, bah tu me fais chier avec ton don.
Comme ouais. Tu peux le voir. J'ai autre chose à foutre que t'écouter tes conneries là, tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes sacrément. T'es foutu. Non, j'ai pas foutu, mais tu plaisantes ou quoi? Je vais aller résoudre cette putain d'énigme là. Allez, je me mets là, en espérant que l'autre il arrive pas. Alors, il faut que je fasse pivoter le truc. Que je fasse. Ouais, je suis nul sur les trucs comme ça. Et là, on voit que le mec, il est nul de chez nul. Je vais y arriver. Ça devrait peut-être plus vers l'avant. Non. Je vais y passer ma vie là, sur ce truc. Là, ça y ressemblerait presque. Hein. Presque. On dirait. Non? Ouais, là, on dirait, c'est bien. Hein. Ok. Voilà, c'est good. Voilà. Qui a construit cette baraque? Qui a construit cette baraque? Où est mon petit Ethan? Ethan, il se tire. Il se tire ailleurs. Faire chier là, le vieux là. Connard vieux Baker. Le pire, c'est qu'on peut même pas le buter, ça sert à rien de lutter contre un mec qui est quasiment presque immortel. On arrive dans une pièce. Mon inventaire, il est comment? Il est nickel. Ok. Qu'est-ce qu'il a ramassé? De l'herbe. Tout de suite. Psychosimulant utilisé pour repérer les objets. D'accord. Ok. Donc, bouge pas, j'avais dit. Tac 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 tac. Est-ce qu'il y aura quelque chose là-dedans? Un fluide chimique. Donc déjà. Ça, combiné avec une potion. Ah, bien. Eh ben, on va faire ça, combiner avec le fluide chimique, et ça fait des balles. Donc, ça, combiné. Hein? Comment ça se fait? On est 10 sur 36. Ok. Mais ça. D'accord, ok. Mais non, c'est 30 maximum. C'est 30 maximum. Je peux pas les combiner avec celle-là. D'accord. Ok. Ok. Bon. Suivant. Derrière, on avait quelque chose. Des balles. Munitions de pistolet. Ok. On va pas en manquer. On en a 41. Ouais, c'est ça. Voilà, il y en a encore. Nickel. Munitions de pistolet. C'est nickel, ça. Là, est-ce qu'il y a quelque chose? On
On m'excuserait, hein, je fouille super bien les lieux. Ça, je peux pas y rentrer. Non, hein. Je peux pas y rentrer. Ah! Coucou, toi! On l'a dans moi. Je l'avais pas entendu, j'étais à côté tout à l'heure et je l'avais pas entendu, ce con. Une herbe. Ok. Est-ce que j'ai bien tout trouvé là dans cette pièce? Parce que des fois... y accéder. Normalement il y a un truc de planqué là dans la cheminée, mais je ne peux pas y accéder. Ok, donc ça, j'avais fait la plante. On était rentré par là, je crois. Ok, non, bah non du tout, on n'était pas rentré par là du tout. Là il faut un code. Ah, merde. Alors. Ça m'avance pas grand chose. Ça m'avance pas grand chose. On dirait un dessin d'enfant, ok. Hein? Il y a un truc qui est apparu. Poudre canon. Il y a des verres, c'est dégueulasse. Et il arrive des fois qu'on trouve des boîtes verreuses, c'est le cas de le dire. Enfin, des asticots. Là, j'ai oublié le tiroir. Non, j'avais pas oublié le tiroir. Et là, il me demande obligatoirement un objet. Attends, j'étais en train de penser. Est-ce que je peux... Merde. Combiner avec de la poudre. Munitions améliorées. Ah merde! Ah merde, ça m'en a fait que 5. Ah oui, mais j'ai perdu 10 balles. Ah merde. Comment je sais qu'elles sont améliorées? Ah, c'est marqué plus, d'accord, ok. Ça faut que j'y gerbe, ça faut que j'y gerbe. Il me faudra un autre révélateur machin pour truquer. Ça, j'ai fait. Là, c'est d'où je viens. Oh putain, c'est vraiment glauque. Hein? C'est quoi ce truc? Oh putain! Ah merde, je suis derrière la porte, quel connard! Connard que je suis! Pas mort. Oh putain!
Lui, avec une munition à mélo, normalement, ça aurait dû le faire plus rapidement. Hein. Je me suis fait toucher. Ouais, je suis encore dans le verre. C'est bon. Je fais quoi maintenant? Est-ce que je retourne là-bas? Il y en aura un deuxième. Je suis arrivé où là? Je mets beaucoup trop de temps. Ah ouais, c'est une autre partie de la maison. Mais là, il me faut des trucs avec scorpion. Il me faut la clé scorpion que je n'ai pas. Oh là 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 là. Je suis parti où? Mais je suis parti où? Ah! Une autre safe room. Il y a une autre safe room ici. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a là, ici? Munitions de pistolet. Ok. J'ai même pas de traduction, bordel. Merde. Faisons un métro, tac 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 tac. D'accord, ok. Rien de vraiment important. Donc on va reposer ça ici. Bon, si, il y a un autre tiroir. Ouais, mais bon. Il faut un truc. Bon, déjà, on va déposer. Munitions standard. Ok. Ok. On va sauvegarder. Hein. Ouais, non, mais ça, oui, le tiroir, je peux pas l'ouvrir. On va sauvegarder. Hein. Faire une nouvelle sauvegarde. Bon, les épisodes vont être un peu longs. Je vais certainement pas aussi les découper de la même manière que les autres personnes qui ont joué déjà précédemment à ce jeu. Puisque moi, vraiment, j'ai une méthode de progression qui est quand même relativement assez spécifique. On va aller par là tant qu'à faire. Voilà, on a une porte. Ça m'étonnerait qu'elle s'ouvre. D'accord. Déjà, ça me va mieux vu comment j'ai configuré le bordel. Ça me va déjà beaucoup mieux. Attention. Le risque peut-être. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'en étais sûr. Il pointe pas sa tête, ce connard. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Il a bugué. Putain. Putain, en plus, il joue avec tes émotions, ils disparaissent. Ces enculés. Alors, là. Ouf. Combien il faut de balles, lui?
putain, mais c'est des... C'est impressionnant, ça. Le nombre de pales qu'il faut. Et là, ça me donne quoi? Y a rien. Non, mais... Je suis rentré dans une pièce pour rien avoir. Je viens quand vous voyez la porte, n'est-ce pas? Reviens juste ça. 3. Ah, et une empreinte de main. J'ai attrapé le type qui passe son temps à essayer de s'enfuir. Il est enfermé dans la signature totale. Pour ne... J'ai 3, charge-toi de lui. Ok. Ok. Ah merde. Ah merde. J'avais pas prévu là ça. Je suis à la morgue. Ouais, de la poudre. Mais non, mais après ça va me gaspiller des... La poudre. La poule et des trucs, ça c'est pour fabriquer des pales. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. 3A. Thalès, non. C'était quoi le truc? Hein? Juste ça. 3A. Et une empreinte de main. William. Sean. Ouais, oui, le chien, c'est Tamara. Ok, 3A et une empreinte de main. Donc c'est celle-là. Ça a ouvert quoi? Ah, ça a déverrouillé celui-là, je crois. Ah, merde. Ah, merde, c'était pas prévu, ça. Oh, putain. Oh, putain. Oh, je mets trop de temps. Je mets trop de temps. Oh, putain, je le loupe. En plus... Oh là 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 là, la recherche, merde! Je vais crever. Bon, alors. On fait comment? Ha! Bon, on va faire ça, hein. Je suis obligé d'aller ici pour l'utiliser. Voilà. Ok. Lui, il aurait fallu que je lui mette des balles. Je suis même pas totalement, soigné. Hein. Clé de la salle de dissection. Ok. Ah oui, parce que là, lui, il est bien fait. On va regarder ce qu'il y a dans les autres maintenant. Ok. Il n'y a pas d'autre truc. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. Voilà, j'ai failli crever. J'ai failli crever parce que j'ai pas utilisé les bonnes munitions. Il aurait fallu que je passe sur les munitions comme ça. Ouais. Voilà, c'est là. C'est là, je suis arrivé par là. Trouver une première porte par là. Donc là, workshop, ça doit être ça la salle de dissection, non?
des endroits bien glauques, bien gluants. Il n'y a pas rien à récupérer. Si, des munitions de pistolet. Ça, c'est cool. Je suis rechargé, 17. Ouais, ben oui. Ah. Puis chimique. Ah. Oh putain. C'est anormal, lui. Oh merde. Oh putain, c'est caché. J'ai gâché des munitions. Oh, il y en a encore un autre. Ok. J'ai entendu un bruit de petit bonhomme, de petite figurine à casser. Il est où ce petit truc? Il est pas planqué là dans les produits? Pas que je reste trop longtemps parce qu'ils vont peut-être spawn les autres cons là. Donc j'avais dit munitions de pistolet, j'en ai combien? 9. La vie, j'en ai suffisamment. Donc ce qu'on va faire, on va combiner ça avec la poudre. Voilà, ok. Ça, c'est la clé de la salle de déception. Ça, on va y changer ici. Ok. Oh putain! Oh putain! Ouais, je mets trop longtemps! Je mets beaucoup trop longtemps. Je gâche un nombre de balles fou. Et je mets vraiment trop longtemps. Je suppose que c'était la clé de la salle de dissection. Allez, recharge. Vite. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai bouffé, il me reste que plus 10 munitions. Des cartouches de fusil à pompe. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais foutre de ça? Et là, ils m'ont même pas donné de munitions. Même pas. Ah, si, il y en a là, je crois. Ah non, mais c'est fluide chimique fort. Mais un chimique fort. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des cartouches et des machins. Fluide chimique fort.
c'est bon, je suis encore dans le vert là, ici. Je suis vraiment sûr de rien laisser là, ici. Ils m'ont même pas laissé de balles, ces trous de balles. Bande de trous du cul. Ça, c'est la, doit être la salle de dissection, hein, je pense. Ouais. Ok. Bon. C'est quoi ça? Ah oui, ça va déclencher le truc. On va regarder là déjà. Là, je vais déclencher la cinématique et je vais vous reprendre le truc. Hop, il y a l'autre con qui va le. Oh putain. Maintenant, elle dit que c'est lui qui sera son père. Je vais le trouver. Et je vais le faire souffrir. Ouais, donc ça veut dire que je vais tomber sur lui. Ça m'enchante guère l'histoire. Bon. Là, j'ai tout pris. Ouais, n'importe comment, hein. Je suis dans la salle de dissection. Je serai sur place pour me faire disséquer, hein, si jamais il y a un problème. Le fusil, une herbe. Ah, là, votre comment l'herbe, j'en ai à gogo et une fois j'en suis où, je vais peut-être me soigner un peu. Voilà, j'ai utilisé une herbe. Alors et ça s'est combiné avec ça. Je crois que je fais des trucs de magnum, mais j'ai pas encore le magnum. Donc j'en suis loin. Avant parce que oh. Bon, c'est là qu'il est parti. Oh là 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 là, je crois qu'il va falloir que j'aille l'affronter. J'ai même pas sauvegardé. Oh putain, non mais là après je peux l'affronter une fois que je fais voir après. Je m'entraîne là sur le sac de frappe. Avant tout, on va aller voir en bas. C'est fermé. Ok. Ah ouais, mais là ça va me fabriquer. C'est de la poudre. Poudre à canon, je suis en train de me remplir l'inventaire. J'ai de la poudre à canon. Munition contenant plus de poudre pour une puissance accrue. Mais là, je fais quoi exactement? Ça va faire des munitions pour pompe, ça.
Ça va pas m'arranger, hein, cette histoire. Allez, voyons ce que ça fait. Non, ça me fait des munitions pour mon fusil. Bon. Je suis sûr de rien avoir oublié là. Là, c'est vraiment une salle de dissection, hein. Ouais, parce que là, oh là là, dès que je vais enlever le truc, il faut que je m'entraîne à taper dans le truc. Aïe aïe aïe. Et là, je vais me retrouver en bas, l'autre il va me pousser en bas. Va falloir que... Ouais, allez. Tête de chien rouge. Tu ne peux pas t'échapper. Allez, relève-toi. Ouais, je vais le faire vaciller un peu. Allez, 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 est-ce que tu vas rester tranquille, oui? Attends, bouge pas. Oh merde! Je peux rien faire. Oh mais merde! Alors. Allez, viens. Oh, mais merde! Ouais, tout ça pour prendre une tente verte. Merde, de merde, de merde! Attends, bouge pas, que je me freine. Ah, ça y est, il s'énerve. Génial. Ah, mais merde. Ah, putain, ta gueule. Ah merde!
Oh merde. On va crever ces connards, hein. Putain, mais merde! Ah, mais c'est dans la cinématique. C'est dans la cinématique, c'est bon. Bon, elle était un peu chère, mais j'ai bouffé de la potion de vie. Qu'est-ce que je peux faire? J'y comprends rien. J'y comprends rien là. J'y comprends rien du tout. Ok. Je sais pas depuis combien de temps que j'ai lancé ce truc. J'ai perdu trop de trucs. J'ai des cartouches. Et mais... Il me fait recommencer, mais il m'a fait perdre toutes mes munitions en plus. J'en avais que 5. Là... Il me semblait que j'avais trouvé de la poudre en plus. Ah oui, je l'avais trouvé là, ici. Non, c'est pas ici. C'était où alors? Ouais. C'était ici. C'était ici que normalement, là, il y a de la poudre à canon. La poudre, machin chose. Là. Ça, c'était quoi? Des cartouches de pompe. Les munitions renforcées, bah, elles sont où? Ouais, c'est ça, il m'a fait perdre. Mélangé avec la poudre à machin. Bon. C'est pas que je veux me sauver, mais je vais retourner à un autre endroit. Faut que je trouve une solution pour le battre facilement, lui. Parce que... Ah bah attends, on va me dire que je peux pas repartir. Moi, je veux repartir de ce putain d'endroit. Je reviendrai pour trouver la solution pour le battre, parce que... Apparemment, j'ai pas la solution de suite.
On va retourner dans une safe room. Je vais sauvegarder et je vais faire une prochaine vidéo. Voilà. Workshop. Et là, est-ce que ça serait pas une safe room? Ouais, il me semble que si, c'est une safe room. Il me semble que si. Des munitions, déjà. On va récupérer tout ce que on peut récupérer. Des munitions. Munitions, 17. Hein? Il y a un truc que je pisse pas là. J'en ai 17. 5 sur 10, d'accord, ok. Ouais. Mmh. Ouais, je vais garder le flingue à la main parce qu'on sait jamais. Je sais pas si c'est une safe room là, en fin de compte. Ah, la clé scorpion. Ok. Un crochet. Ouais, je vais bientôt plus avoir de place dans l'inventaire. Ah, ah. Ça c'est une munition plus. J'ai 10 munitions plus et 17 munitions ordinaires. Ok. Les plus, je vais essayer de pas les. Photo d'un trésor. Ah merde. J'ai pas eu le temps de la regarder, cette photo. Hein. Ah si si, elle est là. Quelque chose ici, trouve-le si tu en es capable. Loupe. Oui, j'en suis capable. Ok, d'accord. Donc, de l'herbe. Ok. D'accord. Ok. Il m'a mis ça ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va combiner ça, ça, hop, on récupère un truc, un slot, voilà. Oh putain de merde! Oh merde! Voilà, ça c'est fait. Chier, eux ils vont faire chier jusqu'au bout, hein. Étant cette clé, attends, non, 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 c'est pas prévu comme ça, c'est pas prévu comme ça dans le film. Je vais refaire mon scénario à moi. Vous me faites pas chier. Vous me faites pas chier. Moi je retourne là-haut. J'ai dit. Ouais. Moi ouais, il faut que je retourne là-haut, mais je sais pas où c'est que je vais. Workshop. C'est verrouillé. Là, on est dans la merde. Oh merde. Dégage. Là, c'est la morgue. Ok, donc c'est par là qu'il faut que je me barre.
C'est obligatoirement par là qu'il faut que je me barre. Voilà les escaliers. Ouf. Là maintenant il faut que je trouve une safe room. D'accord. Là je sais pas ce que c'est. C'est la safe room. D'accord, ok. En haut des escaliers, j'ai la safe room. D'accord. Là bon, notre jeu. On va crocheter. Ça évite de poser crochet. Tac, on regarde ce qu'il y a. On a des munitions. Ok, c'est bon, ça marche. Ok, ok, ok. Là, j'avais récupéré tout. Là, j'avais tout récupéré. Alors, les munitions, j'en ai combien? Ah bon? J'en ai 13. Ici, ça je verrai plus tard, faudrait que je repasse plus tard, ça je vais y fourguer la photo, je vais poser la photo, les deux herbes et les munitions. Regardez, juste la clé scorpion, on va aller déverrouiller les portes. Donc ça j'ai dit, hein, non. Je vire les deux. Ça, j'ai dit, j'y virerai aussi. Ça, j'ai dit, j'y virerai aussi. Ça, j'ai dit, j'y vire aussi. Voilà. Au point de vue de la santé, je pense que je suis pas mal. Les combinaisons, alors la santé, c'est ça, remède de soin, on referme les plaies là. Munition standard pour pistolet. Ah d'accord, ça me donne les trucs. Poudre à canon et fluide chimique. Poudre à canon, fluide chimique fort, munitions renforcées par 10. Et fluide chimique. Ah, ah ouais. Ah oui, poudre à canon, fuite chimique par 10 000. Standard pour pistolet, ça c'est les standards. Ça c'est le renforcé. Et remède de premier soin fort. Ça je pense que j'en aurai pas besoin, on va pas en confectionner. Voilà. Donc ce que je fais, voilà, je vais sauvegarder. Et on va se contenter d'une nouvelle sauvegarde. Et de se laisser à cet endroit pour la deuxième partie, le deuxième épisode. Moi, je me serais un peu éparpillé un peu partout. J'ai commencé à aller à un endroit, mais après j'ai repoussé le chemin. Je vais, je vais faire autrement, ouais, parce que sinon, je vais faire autrement. Je pense qu'il aurait fallu que je le tue l'autre dans la pièce. Le vieux Becker. Bon, voilà, bon, sur cette vidéo, je vais vous laisser. Donc, je vous souhaite une bonne visualisation, une bonne fin de journée par la même occasion. Et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo, l'épisode 3. Ciao, ciao, bye bye.